Wait a minute. Pas l'impression qu'on puisse passer. Ouh, je vais me casser la gueule, moi. Is that cannon? Bon match, Maba. C'est qui joue ce soir? Oh fuck. L'équipe de France. Ouh. Putain, je l'avais pas vu lui. Merde. Fuck, 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 fuck. Ça pue vénère. Ouh, j'avais une vie supplémentaire, nice. Eh mais wesh, il fait super mal. Oh. Ah non, 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 tu me la fais pas à l'envers. Putain, j'ai récupéré quasiment que dalle en life. Ok. Est-ce que j'ai loupé un truc? Eh, mais c'est canon. Ça te crame le cul. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Par là. Je pensais avoir loupé un truc, mais non, en fait. Il y a absolument rien à ramasser. J'avais l'impression, en fait, qu'à l'extérieur, il y avait possibilité de monter sur le côté. Ou alors... Absolument pas. C'est de là où on venait tout à l'heure? Non. Si, c'est de là où on venait, mais il y a de la life, là. Nice. Ça fait du bien. Tout ça pour ça. Super. Nah. Putain. J'aurais eu encore moins de vie. C'est ça qu'il faut se dire. Cool, on va pouvoir améliorer le fusil. Lunettes de précision, micro-missile. Micro-missile direct. Quelle question. Micro-missile. Sans hésitation. Par contre, il va nous falloir des... Ça me rappelle des armes de... d'Unreal Tournament, quoi. Putain, mais il tourne super bien. Appuyez sur CTRL-G ou souris droit pour lancer une grenade qui explosera en touchant le sol. L'explosion affiche des dégâts et fera vaciller tous les démons dans la zone. Vous pouvez l'associer à d'autres armes. La grenade à fragmentation se recharge avec le temps. Cool. Le cacodémon. Nom de merde, excuse-moi, mais cacodémon est un démon de type pression, doté d'une puissante morsure en combat rapproché. Il sera instantanément étourdi si vous lui tirez une bombe collante ou une grenade à fragmentation dans la gueule. Ok, consultez le codex pour en savoir plus. Du coup, j'ai utilisé ma grenade... Ah ouais, ça recharge pas super vite, quoi.
Comment je suis censé... Ok. Hey! C'était lui que tu voulais taper, pas moi? Wesh! Oh putain! Alors, non, j'ai pas récupéré. Il devrait mettre des barrières, des sécurités enfants sur les bordures comme ça là. Il l'a avalé ou pas? Ah ouais, il l'a avalé. Nice. Ok. Oh putain, il est pas mort! Je crois que c'était pas le moment de sauter! C'était pas le moment de sauter. Et je vous propose de faire un truc. Je vous propose de faire un truc vite fait. Lancer rapidement une prédiction. Combien de fois je vais mourir? Vous pouvez miser vos points de chat, en fait, pour savoir combien de fois je vais mourir ce soir. Donc, là, je suis mort une fois déjà. Hein. Donc, moins de 5 fois pour la première réponse. Ou plus de 10 fois pour la deuxième réponse. À votre avis, on va dire que pendant les 15 prochaines minutes, vous pouvez miser... Ok, let's go. Vous pouvez miser. Combien de fois je vais mourir? Bon, bah, les cacodémons, j'ai compris. Hein, j'ai compris le truc, franchement. Moins de 5 ou plus de 10, ouais, c'est pas mal, non? Ah, on commence large, d'accord? On commence large et puis on avisera par la suite. Ok. Vu que ça tourne super bien, on va passer en ultra cauchemar, voir ce que ça donne. On est à 60 FPS tout le temps, en fait. Bon, ok, let's go. Ouh, c'était joli ça. Eh mais putain, mais... Il fait super mal. Ok, 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 on se calme. Il faut de la life. Ouh, l'œil. C'était beau ça. Fais-moi de la life. Je veux de la vie. Non, les modos ils peuvent pas participer, c'est pas vrai. What the fuck? Ah, oh, quelle tristesse! Ouh, c'était juste. Putain, bon bah, c'est dommage. Je sais pas si en tant que modo vous gagnez plus de points que... Mais je pense pas. Hein. Oh shit! De munitions. Non, on va pas y aller au point, c'est pas possible. Quoique, on pourrait, hein. Non, deuxième fois. Mais je ne suis pas mort. Là, je vais pas tarder. Ça pue du cul. Ça pue.
Oh, des munes. Ah ouais, pas pour cette arme-là. Ok. Et bien sûr, je fais la mauvaise... Non, je fais des munes. Allez. Putain, la musique est bonne quand même. Hein. La musique est super bonne. Je t'avais pas vu toi, désolé. Ouh. Encore lui? Putain. J'aime pas ces bestioles. Oh putain, comment il s'approche de moi, mais wesh, reste. Garde tes distances. Coronavirus, 2 mètres de distance, s'il te plaît. Oh, comment je vais faire pour récupérer des munes là? Fuck! Est-ce que je peux le tuer? Ah, il faut 3 à mon avis. Ouh, merci. Allez! Ah, je vais pas avoir assez, Heureusement qu'il y a des petites merdes qui pop. À mon avis, c'est fait exprès. Permettre de récupérer des munes. Alright. Oh putain, il s'est relevé au moment où j'étais dessus. C'est pas cool, mec. Allez, bouffe. Pas cool. Vraiment, vraiment pas cool. Ok. Oh putain, mais on trouve pas beaucoup de l'armure, mais quand on en trouve, ça fait plaisir. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Il reste des munes là. Putain, mais genre, c'est juste pour l'autre arme. Ok, j'ai pas tout découvert. Ouais, le point jaune, c'est l'objectif, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a rien d'autre ici. J'ai pas vu de fissure non plus. Pas vu de fissure. Nine. L'UAC tient à vous remercier pour votre soutien durant cette phase de transition. Votre souffrance et tout. Oh putain, il y a une belle armure là. Comment on fait pour... De ce côté-ci, on peut pas y accéder, là? Sérieusement? Ok, bon. Mais si on passe de l'autre côté... Je sens que... What the fuck is that? What the fuck is that? Je suis resté bloqué? Ok. Je jump, double jump. Non, il veut pas. Je vois même pas l'armure qui est au-dessus, quoi. Ok, il y a un autre mur sur le côté, là. Fuck. Mais du coup, comment je fais pour récupérer l'armure, là-bas? Attends, on arrivera à sauter jusque là-bas? Apparemment. Ouf, oh les bâtards. Y
nickel. Osef, je veux l'armure. Ce qui veut dire que... On est obligé de tout refaire? Non. Ouf, ça passe. Ça passe! Je fasse gaffe avec la... J'avais pas encore... Putain, j'avais pas encore testé la... les mini-roquettes. C'est quoi ce truc? Elle va ressortir ou... J'ai pas l'impression. Il y a un truc à récupérer, ça fait mal ça, non? Ça fait pas mal. Ok. Carburant insuffisant, quoi. Elle, elle est pas encore sortie. À mon avis, on va se prendre une softa. Dans peu de temps. Oh putain. Je t'ai vu, hein. Putain, elle fait mal en plus, quoi. Fait penser aux espèces de trucs dans Half-Life. Sauf que ça. Ils sont plutôt au plafond, généralement. Ok, il y avait des munes là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Non, ici y a rien. Ouh, y a un gros. Yeah, bien vu. Alright. Good. Thanks. Les codes de triche activent des modificateurs spéciaux lors du choix de la mission, par exemple toutes les runes. Les codes de triche enregistrent la progression, mais vous ne pourrez pas ramasser d'objets incompatibles avec le code actif. Par exemple, le code de toutes les runes verrouille les runes présentes dans les niveaux. Jouer une mission avec des codes de triche cache les clés du Slayer. Rejouer des missions pour trouver tous les objets, terminer toutes les confrontations, essayer les armes ou des améliorations verrouillées. Nice. Thanks, ficelle. C'est de là où on vient. Mais du coup... Un peu chelou, ce truc. Y'a rien qui est sorti. Y'avait pas un un caco-démon, là? Juste avant que l'on monte par ici? Il me semblait. Munitions, il faut de la vie aussi. Putain, ils font super mal ceux-là. Trop tard. Fuck! Il est pas mort? Why? Comment ça se fait qu'il soit pas mort, ce con? À moins qu'il y en avait un. Ouais, il y en avait certainement un deuxième en fait. La life. Alors, chargez la grenade. Bouf! Ouh, c'était bon, hein? Ah, je l'ai pas terminé en fait. Yo, GGG. Ah non, je les aime pas eux.
Ah ouais, d'accord. Ils ont invité toute la SMA là, quoi. Ouch. Eh, wesh. Eh, mec. Oh putain, je vais mourir. Ouh. Charras. Putain, y'a pas d'armure. Ouh, il suffit de demander. Tu sautes bien. C'est cool. Wesh, eh, mais toi, mais je vais t'effoncer, ma parole. Ok, j'ai plus de mun. Bye bye. Point d'exclamation game dans le chat. C'est Doom. Doom Eternal. Mais si tu veux plus d'infos, point d'exclamation game dans le chat. Oh putain. C'est-à-dire quoi, nouveau niveau, niveau 2? Yes! Une vie supplémentaire, that's nice. Donc on est d'accord, hein, les vies supplémentaires ne comptent pas dans le nombre de morts. Je suis persuadé qu'on a, y a d'autres trucs à ramasser. Ouais, on est un Doomslayer. Donc c'est un extermineur de monstres, de démons plutôt. Tu vas sur Terre pour libérer la Terre des démons. Vachement original comme histoire. Mais c'est Doom. Y'a pas besoin de chercher plus loin. Besoin de mun. Ok, faut passer. Ouh! Il y a du monde en bas. Ouh putain. Merde! Non! C'est à moi ça. Récupère. Pub de Little Nightmare. Retourne dans ton trou, toi. Eh, mais il me manque une compétence, c'est pas possible, là. Je peux pas speeder. Ok, toi, je t'aime pas, toi. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Il est où? Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse, ficelle. La canne maker n'est pas loin. C'est dégueulasse. Dans cette citadelle démoniaque. La canne maker. Je la fiche sur votre ATH. Ça
C'est, je pense qu'ils, ouais, bah, tu sais, ils sont un peu boomers, hein, certainement déjà en train de comater. Il y a match de foot aussi ce soir. Let's go. Oh, petite saucisse, comment tu vas? En forme? Les prêtres de l'enfer sont rassemblés juste au-dessus de vous. Mes scans indiquent un ascenseur au centre de ce bâtiment. Il a une voix très sympathique. J'aime beaucoup sa voix. Nous montons à 65. En forme de saucisse? Nice. Il y a moyen de... Ouais, ouais, j'ai hésité. Je comprends. C'est une des premières choses que Damoplès a dites en arrivant sur le chat ce soir. Merde. Je voulais m'accroupir. Comment je suis censé... Ok, il y a un passage là. C'est impressionnant quand même. Je sais pas ce qu'il dit, mais... Pixel, il a peur de ce genre de jeu, donc il veut pas regarder. Le voyage rapide vous permet de vous téléporter vers les zones prédéterminées. Utilisez-le pour récupérer des objets supplémentaires et terminer des confrontations facultatives. Le voyage rapide devient disponible vers la fin d'une mission. Ouvrez l'onglet carte pour utiliser le voyage rapide. Ah ouais, mais en fait, c'est un putain de monde ouvert. That's a fucking open world. Fucking open world. Affichez le voyage rapide. F. Bargeville. Citadelle. Ok. Y a pas un petit démon là à découper? J'ai besoin de mun. Oh putain, c'est nice. Eh vas-y, comment on fait pour cacher l'interface? Non, ça c'est la grenade, j'ai déjà dit. Je veux prendre des screens. Comment ils font pour chanter aussi grave, aussi bas, quoi? Oh, c'est nice. C'est un mode histoire. On est en mode histoire, là. La Canmaker est présente à la Réunion, mais même hors de son domaine, elle est, au dire de tous, indestructible. Non mais c'est un troll, Gigi. On taquine Oplès parce que Oplès n'aime pas le médiéval. C'est impossible. Un humain ne peut pas franchir un portail. C'est... On l'a gardé avec nous. Cela n'arrête rien. Le sacrement de ce monde envers la grande Canmaker sera scellé. Et l'énergie nous sera enfin restaurée. Tel que c'est écrit, grâce aux âmes de tous les incroyants, vous ne pourrez pas les sauver du jugement dernier. Comment ils ont flippé? Franchement. Tu vas trop loin, cette fois. Comment ça, on va trop loin? Interférer. Enfin. Oh, c'est beau! L'humanité a une chance de se repentir, d'être à notre service. Tu ne peux pas résister à la volonté de la Canmaker. Activation du portail. Car tu avais pour mission de la faire appliquer.
Ok, exploration 10 sur 13. Ok. Ouais, j'ai pas tout récupéré, mais j'en ai récupéré quand même 10 sur 13. Avec un petit peu d'aide, j'admets. Merci, ficelle. Wink. 20 500 XP. Tu as quasiment terminé le niveau 1. Niveau suivant, 9 500 XP restants. Alright. Sauver, quitter, maintenir pour continuer, Hunter.